Tatati, tatata. Hop, hop, hop. Ne regarde pas ce que c'est, voyons. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu déjà aujourd'hui, on a un studio plutôt cool et on est bien loti. Bon, je voulais faire cette vidéo en extérieur les amis, je vous mens pas parce que le produit que je vais tester aujourd'hui pour vous, il est exceptionnel et ça a testé en extérieur. Ou du moins, tu peux l'utiliser à l'intérieur. Mais bon, moi je l'ai pris, c'est pour le côté aventure et aventurier. Avant que cette vidéo commence, je vais tenir à remercier AliExpress qui sponsorise cette vidéo et du coup qui m'a envoyé ce magnifique produit. Je ne vais pas tout vous dire de pourquoi j'ai pris ce produit précisément, mais par contre ce que je peux vous dire, essayez de donner des hypothèses dans les commentaires et celui qui se rapprochera le plus gagnera quelque chose. Oui, bon, la dernière fois que j'ai dit ça, il m'a fallu que j'envoie 50 000 stickers, donc je vais dire le premier qui trouve gagne. Donc faut être le premier. Si vous n'êtes pas le premier, désolé les refs, mais je peux pas refaire comme la dernière fois et envoyer plus de 50 stickers. Du coup voilà, je tenais à les remercier, je vais pas trop vous dire de pourquoi j'ai pris ça, donc ça sera à vous de le deviner, parce que j'ai pas envie de teaser un projet avant qu'il soit concrétisé. On ne sait jamais. N'hésitez pas à liker cette vidéo les mecs, s'il y a 3000 pouces bleus, et je referai ce genre de vidéo en intérieur pour tester d'autres produits si vous le voulez bien. Ne partez pas, certes ce n'est pas de la moto, mais c'est toujours cool et ça soutient énormément la chaîne si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu cliques sur le lien en description. Voilà, sans perdre de temps, n'hésite pas à t'abonner, à venir sur les réseaux, sur mon Instagram, à bien lire toute la description. Et on y va, je vais vous présenter le produit dont il est question aujourd'hui. Déjà, c'est lourd. Ça, vous pouvez le savoir, c'est lourd. J'ai pas envie de tourner parce qu'en fait, si je tourne le packaging, vous allez direct savoir ce que c'est. Et moi, j'ai pas trop envie que vous sachiez ce que c'est directement. Mais bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer directement. Petit carton des familles, déjà pour du AliExpress, frère. Parce que ça y est, les gens, ils vont se dire, ça y est, c'est du AliExpress, c'est caca et tout. Mais les mecs, c'est plus le AliExpress d'il y a 15 ans. Maintenant, c'est un AliExpress de taré. Des livraisons en 5 jours. J'ai reçu ce colis en 5 jours. C'est exceptionnel. On va le déballer et c'est là que vous allez voir que c'est plus ce que c'était. Hop, hop, hop. Petit carton, déjà très sympathique. Et là, frérot, regarde comment c'est bien emballé. Est-ce que tu vois déjà? T'as l'impression que tu rentres sur un truc quali. Track Life, pour ceux que ça, qui connaissent, vous avez deviné ce que c'est. Donc, direct, petite enveloppe, sympathique. Vraiment, tu reçois pas ton colis dans un sac poubelle, frérot. Petite boîte. Deuxième colis, j'aime bien petite boîte. On va décaler ça parce que on va déjà regarder ce qu'on a reçu. Alors, petite boîte et petite enveloppe. Déjà, là, tu sais, frérot, t'es pas arrivé n'importe où. Si tu mets une petite enveloppe, tu sens que souvent, c'est qu'il y a le chèque. Il y a le chèque dedans, ça sent le chèque. Ça sent l'oseille. Ah. Donc voilà les amis, à l'intérieur on a tout simplement le livret d'utilisation du produit en question que je vous ai toujours pas dit parce que c'est la surprise et une petite garantie, voilà, une petite garantie card, regardez, elle est vraiment sympathique, elle est vraiment stylée. Bon, donc dans une petite enveloppe, pourquoi pas, manuel d'utilisation, très important à lire, celui-là je vais le lire, vous allez voir le produit, c'est mieux de le lire. Et qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Attention, super, vous savez toujours pas ce que c'est. Mais je tiens à dire les mecs que si vous êtes mécano, ça peut vous servir ce genre de produit, je vous jure que ce genre de produit, si vous êtes mécanicien, je vais vous dire pourquoi ça peut vous servir. Hop hop hop, même après si t'es pêcheur, chasseur, tout ce qui finit en heure, ta sœur. Non, ça c'était pas dedans. Ça peut aussi vous servir. Donc là, tout simplement dans cette petite boîte les mecs, on a une alimentation. Rien de plus basique. Donc là vous savez déjà que c'est électrique. C'est électrique, bah oui, sinon il n'y aurait pas d'alimentation. Petite alimentation, sympathique, avec un petite LED. Il y a un petit design assez sympa dessus, franchement c'est cool, c'est quali. Hop, bien emballé, bien protégé, c'est sympa. On va tout simplement déballer ce qui reste à déballer. Ce qui est le plus gros de la pièce. Attention. Là par contre, pour une fois je suis surpris, c'est que c'est super calé en mousse. Genre tout est calé à l'intérieur en mousse, c'est exceptionnel. Bon, attendez, parce que là faut que je me lève. Là carrément, là faut se lever parce que c'est pas tout léger. Hein. Allez, viens là. Allez, viens là, Coco. Allez, toi tu dégages. Ok, là déjà, vous commencez peut-être à savoir ce que c'est. Je vais vous le déballer et là, vous allez direct comprendre. Donc les mecs, ça vient de la marque Track Life, une boutique sur AliExpress. Voilà, avant que je le déballe pour vous dire, c'est l'anniversaire d'AliExpress, le 12e anniversaire d'AliExpress. Il y a des promos de folie et j'ai un code promo pour vous. Il s'affiche juste là et il est en description. Il vous octroie plein de promotions. Il y a des moins 70% sur le site. N'hésitez pas à aller faire vos paniers et vous mettez le code promo. Vous allez voir, vous allez payer que dalle. Livraison super rapide et ça c'était le point noir d'avant qu'il y avait sur AliExpress et maintenant c'est devenu un point positif. Livraison en 5 jours pour ma part, donc voilà, sympathique, plutôt sympathique. Allez, j'arrête de parler et on déballe. Et là il y en a, ils doivent se dire mais Léo, mais t'es complètement fou, c'est quoi ça, on sait pas ce que c'est frérot. Et bah les mecs, tout simplement c'est une batterie externe King Kong, t'as jamais vu ça de ta vie, un singe. Le truc c'est la Rolls Royce, c'est la Lamborghini, la Ferrari, la McLaren des batteries externes. Là, vous allez vous dire, tiens, il est sérieux, je suis venu jusqu'à là pendant 5 minutes pour voir une batterie externe. C'est pas n'importe quelle batterie externe, sinon je vous l'aurais pas présenté. Si c'est celle que tu vas acheter à Carrefour et puis voilà, 10 balles, ça sert à rien. Là, je te présente un jouet
Magnifique. Regarde, regarde déjà pourquoi il est magnifique ce petit jouet. T'es prêt? 1, 2, 3, ouvre les yeux. Bam. Boum. Et ouais, mon gars. Le mode SOS, carrément. Non, plus sérieusement, les mecs, ça va m'aider de ouf pour mon projet que j'ai envie de mener. Mais je peux pas trop vous le dire parce que s'il se fait pas, en fait, j'aurais eu le seum de teaser pour rien. Mais ce truc-là, pour mon projet, c'est une des pièces maîtresses. Si t'as pas ça, tu peux pas faire le projet. Donc voilà, je remercie AliExpress de me l'avoir envoyé et je vais direct passer au descriptif du produit. Et donc là, reste bien parce que tu seras choqué de ce que c'est. C'est pas n'importe quelle batterie. Déjà, si tu vois un petit peu, il y a une LED pour mettre la lumière. Si jamais, ça, mon gars, tu tiens 90 heures de lumière en continu, en mode petit mode lumière, 90 heures. C'est-à-dire, t'es perdu au milieu de la forêt, au milieu d'une grotte, t'as la lumière pendant 90 heures, ça, c'est déjà cool. On a le rechargement. Donc, tu viens là, frérot, avec ta jeune alimentation miteuse. Bam, tu rentres dedans, hop, comme dans ta... Simple, simple, efficace, tu rentres dedans, c'est clean. Hop, hop, hop. Tu as de l'USB-C, de l'USB et de l'USB. Deux ports USB, un port USB-C, un port prise, tu sais, le 220 que tu as à la maison, le truc classique. Là, et là, tu as une 12 volts, hop, 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 pour recharger si jamais tu veux la brancher à ton alternateur de voiture ou de camion ou de, je sais pas, tu veux la brancher à ta caisse. Je sais que en roulant, tu peux la recharger. Et c'est là ce pourquoi j'ai dit que pour les mécaniciens, ça peut servir. Vous le savez très bien, les mecs, si vous allez au Rasso, peut-être que des fois vous avez besoin de gonfler vos pneus avec un gonfleur. Et le gonfleur, tu le branches où? Soit il a air comprimé, je sais pas, mais souvent tu dois le brancher. Et bah sur ça, frérot, tu peux le brancher, il y a aucun souci. Je vais vous montrer ce qu'on peut brancher. Ok, donc pour ça, j'ai pris mon jeune sac et regardez. Alors là ça va être la ribambelle. Un ordinateur. Un chargeur. Un deuxième chargeur. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Un troisième chargeur. Un quatrième chargeur. Là, il est en train de se demander, mais frérot, mais il va nous brancher sa maison en électricité. Alors, regarde ça, frérot. Regarde un peu la magie. Tu prends ton câble d'ordinateur. Tu le mets dans l'ordinateur. Tu prends ta prise 220 que tu mets chez toi dans le mur. Et là, magie, elle rentre. Elle rentre. C'est un truc de ouf, elle rentre. C'est pas des lol, frérot. Tu peux la brancher. Attends, c'est pas fini. Allez, je vais pas vous présenter de la camelote non plus. Tu prends ton USB-C. Parce que oui, il faut le savoir. Je vais vous donner les caractéristiques après, vous allez être choqués. Tu prends ta petite USB-C. Tu prends ton petit USB. Bah oui, hop, ton petit USB. Parce qu'il faut recharger ta GoPro. Bah oui, forcément. Si jamais tu vas à l'enduro, il faut recharger ta caméra. Voilà. Tu prends ton USB-C. Bah oui, il faut charger, je sais pas, des écouteurs, un téléphone. En l'occurrence, mon téléphone, je vais pas pouvoir te le charger, frérot. Parce que je suis en train d'enregistrer le micro. Ok, une fois que t'as tout branché. Donc hop, une fois que la petite batterie, elle est branchée. Que t'as tout branché, les équipements que tu veux. Hop, regardez, je vais vous montrer. Là, il y a mes objets. Je vais tout simplement appuyer. Là où je veux que ça sort. Donc là, j'ai appuyé sur le DC out de l'USB. Donc là, j'ai allumé la prise USB et là, on peut voir que ça charge. C'est magique. Là, j'appuie sur la prise du 220. Hop. Et hop, comme par magie, lui, il a fait le petit bruit d'Apple et il est en train de charger en même temps et les deux chargent. Et là, on peut voir que la batterie, elle est en train de transférer toute l'énergie d'ici à ici. C'est un truc de ouf. Donc là, j'ai mis deux produits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a même la recharge sans fil. C'est-à-dire que tu viens là, elle a même la recharge à induction. Donc c'est-à-dire que tu viens avec ton téléphone par-dessus. Tu peux le poser en même temps, là, il enregistre, du coup, je peux pas le faire. Mais tu poses ton téléphone ici, hop, il va charger, frérot. C'est un truc de ouf, c'est magique. Donc là, ça fonctionnera pas parce que j'enregistre, mais tu le poses là, hop. C'est-à-dire qu'en même temps, tu fais charger ton téléphone, ton chargeur GoPro et ton Mac. Là, vraiment, c'est un truc de ouf. Pour faire charger tout ça sur une petite batterie comme ça, les électriciens vont savoir qu'il faut quand même de la puissance. Et là, même, en même temps, t'as envie de sortir le LED, tu mets le LED. Oh, y a pas de souci. T'as envie d'éclairer, tu manges en même temps, je sais pas quoi, ton barbecue, tu mets un barbecue électrique, t'as besoin de lumière, tu peux le mettre en même temps. Tu peux rajouter encore une prise USB et la prise USB-C. C'est un truc de ouf. Sur ta prise 12 volts, y a pas de souci. Au niveau des specs, parce que oui, c'est ça qu'on veut savoir. Combien de temps je peux charger mes affaires? Alors, il faut savoir que dans le petit guide d'utilisation qui nous est fourni par la marque, hop, juste ici, le manuel d'utilisation, tout est en français. Vous avez toutes les langues, français, espagnol, italien. Franchement, tu vois, c'est pas les petits guides d'AliExpress ou qu'il y a que en chinois, frérot, on va avoir du mal à comprendre. Donc, t'as tout pour que ta batterie fonctionne au mieux. Hop, et donc, dans les caractéristiques données par la marque, t'as tout simplement 90 heures de lampe, donc par exemple avec celle-là, ou en branchant une lampe carrément, t'auras 90 heures, frérot. Tu peux avoir jusqu'à 4,5 heures de télé, donc frérot, là faut pas abuser, c'est-à-dire que tu peux te taper plus de 2 films, voire 3 films, que en branchant ta télé sur ça. Ça, c'est une dinguerie, frérot, je pète mon crâne quand j'ai vu ça. Tu peux charger 6 fois ta batterie de drone, faut savoir que les grosses batteries de drone, on parle pas du petit Mavic, les petites batteries comme ça, mais les grosses batteries, tu peux la charger 6 fois. Tu peux charger 5 fois ton ordinateur. Faut savoir qu'un ordinateur, ça consomme, pour ceux qui font du montage vidéo, qui jouent à la console, vous savez très bien que ça
consomme un ordinateur, et ben là tu peux le recharger de 0 à 100%. Tu peux le recharger de 0 à 100% 5 fois. C'est vraiment un truc de ouf. Et alors là, ce qui m'a choqué, c'est que déjà ton iPhone, tu peux le charger, frérot, 25 fois sans souci, de 0 à 100. Ça, la batterie, elle va tenir. Mais tu peux recharger, et ça pour moi, ça va être une dinguerie, les batteries de GoPro, écoute-moi bien, 55 fois le 0 à 100 avec la batterie. C'est-à-dire, je vais de 0 à 100%, je vais de 100% à 0, je peux la recharger 55 fois sur cette petite batterie. C'est un truc de taré. Donc là, je suis en train de vous parler, et ça, ça charge tranquillement, et le Mac charge tranquillement lui aussi. Il faut savoir que si tu as ton chargeur rapide, ça, c'est compatible avec la charge rapide, donc ton iPhone pourra charger super rapidement. Je vais juste éteindre ça et vous le débrancher pour vous la montrer de plus près. Donc voilà, pour éteindre, c'est simple. Vous appuyez juste sur les petits boutons, c'est carré. Hop, tu peux tout enlever. Tac, tac, tac. Je vais décaler ça, je vais faire de la place pour vous montrer un petit peu le bestiau d'un peu plus près. C'est une petite, c'est la version mini, frérot. Je sais pas s'ils font des plus grosses versions, mais moi, cette version me convient très bien parce que je peux pas vous le dire, mais pour ce que je veux faire, c'est très compact, c'est nickel. Ça se met dans une voiture, dans un camion, tu peux la mettre où tu veux, c'est une dinguerie. Au niveau de la recharge, les mecs, pour recharger la batterie totalement, c'est pas donné chez le constructeur, mais je pense qu'il faut facile 2 heures pour la recharger complètement. Moi, je sais que j'ai gagné 20% en la branchant pendant environ 20 minutes, une demi-heure, j'ai gagné 20%. Donc je pense que pour l'avoir au full, il faut 2 heures de charge. Il y a un indicateur sur le panneau, donc en fait, vous avez juste à cliquer. Hop, attendez, hop, vous cliquez. Et là, il y a un indicateur, ça va de 100%, 80%, 60%, 20% et 0%. Voilà, c'est de 20 en 20, qui t'indique le nombre de charges restantes. C'est ventilé sur les deux côtés, regardez, c'est perforé, ventilé à droite, ventilé à gauche, mon ref. Donc ça veut dire qu'elle peut pas chauffer ta batterie. Elle charge en induction, ça c'est une dinguerie. Mais t'as la poignée surtout, elle est super compacte. Regardez les mecs, on est sur un poids en dessous de 5 kg. Je pense qu'on est sur du 3,5 kg, 4 kg. Je dis pas de conneries, c'est peut-être marqué sur le guide. Bah oui, parce que faut lire le guide. Hein. Attendez, attendez, moi je vais vous dire ça. Donc voilà, comme je l'avais dit, 20%, 40%, 60%, 80%. Donc en vrai, tu vas savoir tout le temps quand t'as de la batterie. Ce que tu peux faire, c'est même charger la batterie et en même temps charger ton ordi par-dessus. Donc si jamais t'as qu'une prise, bah frérot, t'arrives, tu branches ça, ça va la recharger. En même temps que brancher ça, tu branches ton PC dessus. C'est une dinguerie, frérot. Tu peux tout recharger en même temps, ça fait multiprise le bordel. Donc au moins, ça évite de brancher la batterie pendant 2 heures. Après, brancher ton ordi, tu mets tout dessus et au moins tu seras clean. Alors elle fait 4,56 kg. Et franchement, ça va. C'est grave compact, c'est pas super lourd. C'est carré, c'est vraiment un poids standard, c'est un poids pas super lourd. Donc tu perdras pas de puissance dans ton camtar. Faut savoir qu'elle est garantie 24 mois. Donc si vous avez le moindre souci, vous contactez le SAV de la marque sur leur site et ils vous la changent carrément, ils vous changent tout. Donc voilà les mecs, pour une petite batterie comme ça, vous pouvez aller voir sur internet, ça coûte une couille. Et celle-là les mecs, vous l'avez juste à 300€. Et avec la promotion qui font sur AliExpress pour leur 12e anniversaire, franchement vous pouvez la choper pour pas cher. Du coup essayez d'aller mettre mon code promo sur celle-là et vous allez voir à combien vous allez pouvoir l'avoir. Donc franchement, ce qui est cool avec cette petite batterie, bah comme j'ai dit, c'est qu'elle est petite, compacte, tu peux la porter, il y a pas de souci. Si tu dois faire de la marche avec, il peut facile marcher pendant une demi-heure, bon, t'auras pas trop mal à la main, parce que je sais qu'il y en a qui font 20 kg des bazars comme ça, c'est impossible, voire 40 kg à transporter, c'est impossible. Donc si jamais t'es vraiment en galère, je sais pas, t'es en panne, t'as ça dans ta voiture, tu sais que là t'es bien, tu peux brancher un chauffage d'appoint dessus, c'est carré, et tu peux rejoindre la station essence pour la brancher, j'en sais rien. C'est tout léger, c'est compact, c'est bien fini. Franchement, pour un produit AliExpress, on dirait pas que ça vient de chez AliExpress. Il est bien fini le produit, tu vois, une bonne matière. Vous allez le voir au plan de coupe, vraiment, c'est quali. Il y a des... Sur le côté, c'est perforé pour être ventilé. Tu vois, tu secoues, t'entends pas le bruit de frérot, des trucs qui se baladent à l'intérieur. T'as un petit écran, ça, je trouve ça vraiment quali. L'écran qui nous dit à combien on est de batterie. La petite lampe folle, frérot. Là par contre, la lampe folle, c'est une dinguerie. Genre, regarde comment tu peux éclairer. Franchement, elle marche plutôt bien. Donc si t'es dans la forêt, c'est toujours utile d'avoir ça, de pouvoir brancher une prise universelle que t'as à la maison. Ça par contre, c'est une dinguerie. Voilà. Donc en tout cas, les mecs, à qui elle va servir cette batterie? Bah franchement, comme j'ai dit, si t'es, je sais pas, si t'es mécanicien, si t'es plombier, enfin tous les métiers manuels où t'as besoin d'électricité et que je sais pas, ton groupe électrogène il lâche, frérot, ça coûte même pas 300€. Et franchement, je pense que ça peut te sauver une bonne journée de travail, ça peut vraiment te sauver la mise. Et si jamais t'es en voyage, bah ça en fait, c'est ce qu'il te faut pour avoir de l'électricité, être autonome en électricité partout, quand tu veux, où il le faut. Donc voilà, je trouve vraiment c'est top. Voilà. Faut savoir que si AliExpress me l'avait pas envoyé, bah moi je l'aurais quand même acheté de moi-même. Est-ce que j'aurais pris ce modèle? Non, parce que je le connaissais pas. Mais j'en aurais pris une. Et franchement, quand j'ai regardé les prix, ça tournait sur du 800€ pour les mêmes caractéristiques.
Donc là, pour 300 balles, frérot, franchement, c'est quali. En plus, il faut savoir qu'avant d'être en réduction, celle-là, elle a 450 euros. Donc là, vous gagnez 150 balles, franchement, je vous mets bien. Donc au niveau des spécificités, je pense que j'ai tout dit, les mecs. Du coup, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Merci de me soutenir, merci de mettre un pouce bleu. Je fais pas forcément des vidéos comme ça tout le temps. J'en ai fait que deux, en comptant celle-là sur ma chaîne depuis le début. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. En tout cas, c'était Léo, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir. La marque, c'est Track Life. Si vous voulez aller voir, ils font beaucoup de boosters pour démarrer les voitures. C'est vrai que j'y ai pas parlé. Mais si tu veux démarrer une caisse et que tu as besoin d'électricité, bah, tu peux le faire. Si tu veux brancher un spotlet comme j'ai là, tu peux le faire. Vraiment, c'est quali. Tout charge, charge rapide, charge à induction. J'ai tout dit. Tous les liens concernant le produit sont en description. Si vous avez des questions, je serai heureux de vous répondre en commentaire. Sur ce, c'était Léo. N'hésitez pas à aller voir la description. N'hésitez pas à profiter de mon code promo. Merci à vous de me soutenir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit.